Interviews, mini-séries, podcasts, micro-trottoirs, c'est sur CULTAF Guinée. CULTAF Guinée, première chaîne culturelle de la Guinée. Pour rejoindre la communauté de CULTAF, abonne-toi et active la cloche de notification. Que Dieu nous aide. Mais surtout en Guinée, c'est pas facile. Il faut qu'on se dise la vérité. La plupart des managers en Guinée sont des mangeurs. Ouais, c'est la vérité. La plupart. Voilà. Mais bon, on tient le coup. On tient le coup. Et je sais, ça va aller avec le temps. Voilà, c'est ici. Il faut oublier que ça va aller. La Guinée a dit ça va aller jusqu'ici, ça n'a pas aller. Oui. Il faut le faire maintenant. Voilà, le faire. Il faut agir maintenant. Voilà. Non, je sais pourquoi j'ai dit ça ne peut pas aller. Donc, voilà. Moi, je sais que ça ne peut pas aller. Et puis, on continue sur ça, ça ne peut pas aller. Ce que quelqu'un vient de dire. Le problème, c'est quoi chez nous? Et mon frère vient de dire de respecter les managers. Je n'en dis qu'on ne vient pas. Il faut que les managers respectent les artistes et les artistes aussi respectent les managers. Mais la plupart des managers de la Guinée, si Kern a dit que ce sont des bouffeurs, moi je dirais que ce sont des profiteurs. Ben oui, il faut qu'on se dise la vérité. Aujourd'hui, pourquoi il y a des artistes qui ne voulaient pas avec les managers? Parce que les managers ne savent pas ce qu'ils doivent faire pour leurs artistes. Un artiste préfère évoluer aujourd'hui en solo que de travailler avec un manager. C'est quoi le rôle d'un manager? C'est quoi le rôle d'un artiste? L'artiste, son boulot, c'est aller au studio, venir reposer sa tête. Les concerts, les contrats, ça concerne que les managers. Chez nous, c'est les artistes qui cherchent des contrats. C'est les artistes qui gèrent tout. Et le peu que tu gagnes, le manager veut que tu partages ça avec lui encore. Ça peut aller. Ça peut pas aller. Ça peut pas. Si tu as aimé la vidéo, like, partage et abonne-toi si ce n'est déjà fait. On vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo.